Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve pour la suite de l'event des messagers de l'espoir de l'édition 2019. Donc voilà, je débloque toutes les routes d'un coup, hein, c'est mieux. Comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Et on va voir l'ensemble des récompenses récupérables ici même. Donc j'espère que vous n'avez pas oublié de faire les connexions journalières avant Noël et jour de Noël pour récupérer tous les tickets qu'il faut pour pouvoir finir toute l'étoile du haut du sapin. J'espère pour vous. Hein. Après, bon, ben, si ça a oublié, ben, dommage. Hein, mais du coup, on va vous revoir ensemble quels sont l'ensemble des récompenses récupérables là-haut. Voilà, c'est que des petits combats uniques, donc ça va, hein, c'est pas le plus long à faire. Alors, dans le premier, le fractal prismatique, bulbe de papa jumbo.希望の使者か。ただ物をばらまくだけで人に希望が届くとしたら、おめでたいおとぎ話だな。気に入らないの？別に。物を配って世界を救えるなら、楽でいいよなって話。救う気はあるのね。以前のあなたは、こんな世界なんてどうでもいいと思っていたのに。パラミティアは気に食わないが、 滅べとまでは思ってない。まあまあ、二人とも上出来よ。プレゼントを受け取った人たちがほんのちょっとでも嬉しくなれたら、それは希望の種になってやがて芽吹くの。本当の希望は人から受け取るものじゃなくて人の心に芽生えるものだし。だといいが。それも都合のいい話だな。パラミティアの絶望は深いから都合のいい希望に頼ってしまうの。 本物の希望をもたらしたいなら、俺が倒すを倒すしかない。正解。君ならきっとできると思う。できなかったら、また来年もプレゼントを配る係ね。そいつは気分次第だな。もう素直じゃないんだから、また来年もよろしくお願いします。 Voilà, c'est mignon tout plein, tout ça. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, on a des mobs de tous les éléments à chaque combat. Et bon, ça passe crème, hein, comme toujours. Ce n'est point un problème. Alors, fractal prismatique, un oculaire. Ça fait pas grand chose, hein, tout ça. Vous êtes tout à la fin le meilleur loot. Ça.
Donc fractal prismatique, a priori, voilà, accompagné de une astérite. Toujours bien les astérites. Ah, ils sont tous du même élément. Ça, c'est beaucoup plus rapide ça à faire. Péri Noël. C'est mignon. Bon, le coup, c'était c'est le plus simple pour refaire tout d'un coup. Ben, finalement, c'est là où c'était un peu plus compliqué, mais bon. Ouais, il attaque pas trop, donc ça aide. Fractal prismatique, accompagné d'un supra bonus C. Toujours sympathique, supra bonus C à récupérer. C'était un vilain garnement, oh oui. Oh oui, punissez-moi, Tombéry, j'étais vilain. Ah ben mais c'est moi qui vous ai puni. Bref. Et donc pour finir, donc une fractale prismatique, dont 3 tickets d'invocation, 12 tablettes mystiques, c'est cool. Et la dernière, je veux dire, une petite scène. もし君がこの世界から消えたら、お前も消えるんだったな。お互い生成するだろうが、あいにく俺は消される気はない。相手がカオスだろうとな。さすが。頼りにしてるよ。そういえば勝った後、俺がカオスを倒したら、お前はどうなるんだ。そりゃ、私の役目は君の運命を導くことだし。 君の旅が終わるなら、私の出番もないでしょうね。お別れか。そういうこと。どう？寂しい？はい、寂しいですね。ああ、棒読み。寂しいな、もう。寂しいね。多少はな。 やがて君の旅は終わりへと向かっていく。カオスとの戦いへ、聖なる夜に祈るといいよ。君の未来に希望と自由を。光の戦士になれますようにとか、カオスを倒せますようにじゃなくていいのか。それはさ、祈るだの神頼みじゃなくて、君が自力で淡々と実現すべきことでしょ。そりゃどうも。 Voilà pour ceux qui n'auraient pas pu tout avoir, mais voilà, vous avez vu toutes les petites scènes de l'event. Et on va quand même faire le dernier petit tirage. Ah, il y a une nouvelle carte au moins. Et une carte de classe Uno. Donc il y a Ymir, d'accord, F6. Et une carte de moine de lumière, d'accord. Pourquoi pas. Et donc, Primadonna,
Eh ben, la nouvelle classe de Sarah. Il n'y a plus de compteur. Ben bref, c'est pas ce qui nous importe là, c'est d'aller faire la nouvelle petite classe, ben là, ici. Répétiteur, d'accord, une âme répétiteur. Non mais c'est bien d'avoir un peu des classes de base, au moins ça permet d'avoir plus de chances de récupérer les classes plus rares. Donc prima donna, est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de, classe supplémentaire à débloquer. Enfin, j'y peut-être au tout dernier tableau, mais pas avant. Il y avait juste une arme de plus. Il y avait juste une arme. Pour ça de prix. Vampire lumière. D'accord, bon. Pratique. Ouais, c'est ça, il n'y a plus rien d'identifié. Bon, bah c'est pas grave, hein. Ce n'est point grave. Donc c'est là-dessus que je vous laisse. Bien sûr, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux events de Mobius Final Fantasy. J'espère qu'à faire la suite de l'histoire principale, vu que je ne suis pas encore à jour, on est la écho de la saison qui fera son retour. Clairement, ça serait trop cool. Après, bon, ben, malheureusement, c'est les développeurs qui en ont décidé de la sorte. Donc, on va voir ce qu'ils ont fait par rapport à ça. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt tout le monde.